Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes. Et ouais, comme t'as pu le voir, aujourd'hui on commence pas directement sur un écran noir, on commence directement dans le jeu. Voilà, donc c'est DreamWorks All-Star Kart Racing, et il y a une raison. Bah quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, j'avais pas de son, et du coup il y avait un problème dans les réglages, donc j'avais pas du tout de son et tout ça pour l'intro et tout, donc c'était un peu galère, et c'était configuré en anglais. Bon moi ça me dérange pas, mais pour la vidéo, et on est en France, donc j'ai tout reconfiguré, c'est pour ça qu'on se trouve dans l'intro, enfin voilà, sur le menu. Alors je sais pas si on va voir l'intro ou pas, on verra. Classe d'âge Peggy 3, au niveau des manettes Pro Controller ou Joy-Con, ça tu peux y aller. Au niveau des langues, donc anglais, espagnol, français, allemand, italien, néerlandais et tout. Et la taille installée sur ma micro SD fait environ 4,7 Go. Ce que je peux vous dire au niveau du développeur, c'est Bantam Game, et au niveau du distributeur, c'est Just4Game. Donc on va voir un peu ce que ça donne, ce All-Star Kart Racing, je ne connais pas du tout. Hop, alors on va faire un petit peu de solo. Alors au niveau des paramètres, donc je suis allé ici hein, et c'est là que j'ai augmenté le volume. Et puis mis quelques paramètres en plus pour mettre le français. Voilà, là les bonus et là on a le garage. Et nous on va jouer en mode solo. Voir un peu si c'est fun ou pas, je ne connais pas du tout le jeu. Voir un peu l'univers. Donc coupe, course libre, défi et contre la montre. On a 4 modes. On va faire un petit coup de coupe. Donc normal, turbo, lumière. Ok. Donc là il n'y a pas plus d'explication. Vitesse de course, voilà, c'est tranquille, normal ou turbo. On va se mettre en mode normal, je connais pas le jeu. Je viens juste de le lancer. Je vous mettrai un petit lien vers Amazon. Le jeu est environ à 36 € là, parce que je suis sur la feuille hein, Amazon actuellement. 36 € sur Switch. Il est aussi disponible sur PlayStation 5, mais il est un petit peu plus cher de mémoire, 39 €. Voilà. Tu peux le trouver aussi sur PlayStation 4 si tu veux. Et il est aussi à 36 €. Donc tu as le lien en dessous. C'est un lien affilié, c'est pour soutenir la chaîne. Je t'oblige à rien. Tu prends, tant mieux, tu prends pas. Je m'en fous. Voilà. Allez, on va commencer. Village Panda, je pense qu'on va commencer par ça. Ouais, donc là, le roster au niveau des personnages, on va voir ensemble. Et sinon, en dématérialisé, le jeu coûte 39,99 €. Donc nous avons Shrek, nous avons Po, nous avons Monsieur Loup, nous avons Alex, nous avons le Chapoté, nous avons Harold, Fiona et Tigresse, Loup et Maître Ogway. D'accord, et donc d'autres personnages à débloquer qui peuvent être fort intéressants. Moi, j'ai bien envie de prendre Po, voilà, on va voir. Donc, ouais, ok, j'ai mis les sous-titres, mais du coup, il a gardé le langage en anglais. Au niveau du châssis, on va regarder. Donc là, on n'a pas grand choix pour le moment. Oh, j'ai rien débloqué, donc ce qui est normal. J'ai deux châssis. Bon, ok. Au niveau du moteur, on peut, je sais, ouais, on voit un petit peu en haut là ce que ça donne. Turbo, vitesse. Je sais pas du tout. On va tester. Au niveau des roues, ouais, tenue de route, moins de vitesse, aileron. Ok, bon, on va rester sur celui-là. C'est très très bien. Donc très similaire à notre tant aimé Mario Kart, qui est fini d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de DLC et tout ça, Nintendo c'est fini. La dernière wave est arrivée, elle ne reviendra pas. Donc est-ce qu'on peut prendre ce Dreamstar All-Star Kart Racing, DreamWorks autant pour moi, All-Star Kart Racing comme une suite, parce que si t'en as marre et de Mario Kart et qu'il n'y a pas de nouveauté. Sachant qu'il y a aussi un Mario Kart Schtroumpf que je vais présenter prochainement sur la Gata TV. Donc on va voir ce que ça donne. Bah sinon ça a l'air d'être assez joli. Alors je sais pas du tout c'est quoi les commandes et tout. Je vais tout apprendre sur le tas. Ok. Ouais, je crois que j'ai loupé le départ mais c'est pas grave. Ok. Bon, on n'entend pas grand chose. C'est un peu chiant. D'accord. Sinon c'est assez joli. Là, à première vue, ça a l'air d'être sympa. Ok, des petits jumps pour aller plus vite. Ah zut, j'ai pas récupéré les machins. Oh, attends. Ah si, j'ai un truc là. Là, on va. On y va. Là, je peux rien faire. C'est un peu pâteau. C'est la première impression que ça me donne. Ok. Et j'ai toujours pas récupéré de... On doit récupérer des notes, c'est comme les pièces. Ok, c'est super. Et je suis arrivé premier, impeccable. Le deuxième tour. Une lyre. Ok, quelques effets. Sinon c'est assez joli. Au niveau du framerate, ça a l'air d'aller. Les images par seconde. Donc là je peux appuyer sur X, j'ai un petit alien. Voilà, je sais pas. Ok, alors je pense que ça va donner. Voilà, je lance l'alien. Là, je vais récupérer autre chose.
C'est vraiment vraiment mou. Alors est-ce que je me suis mis dans le bon mode? C'est une bonne question. Et je suis arrivé vite fait premier, c'est un peu chiant en fait. Bon là évidemment j'ai pas pu hein, faire du synchroniser le truc. Donc j'ai X et B, dernier tour. Okay. Donc là j'ai une sorte d'invincibilité. C'est joli à regarder mais ça manque vraiment de punch hein. On se fait vite chier là. Je l'avoue, ça fait quelques minutes que je commence à jouer et c'est pas ouf. Là j'ai récupéré un truc mais comme il n'y a pas de challenge si tu veux, je suis déjà premier. Y a rien, ils viennent même pas me secouer alors. C'est un peu dommage. Au niveau de la maniabilité, il n'y a pas grand chose à dire. Bon avec ce carton là, faut voir avec d'autres. Si c'est bien ou pas. Voilà. Oh non. Ah je vais passer en fin deuxième. Non, pas du tout. Ah mais si j'ai du monde derrière. J'ai vu du monde derrière. Et pourtant j'ai tout mis à 5 et c'est très très pauvre au niveau du son. Au niveau du ouais, des effets et tout. Le sound design, ouais je trouve que. Et les effets spéciaux c'est pas ouf. Alors, classe d'HP Guy 3, ok pour les petits, si t'es fan du monde DreamWorks, mais pour le moment, j'ai pas vu l'éclate. Donc on va voir, hein. Peut-être que à la suite ça va être mieux. Là, il demande d'appuyer sur R. Ouais, bah, ça a rien fait en fait. Je dois pas savoir les faire les départs, il va falloir que je m'entraîne. Sinon, le joystick de droite pour l'instant il sert à rien. J'ai une sorte d'immunité si. Non, ouais, c'est ça. Les notes de musique, c'est comme les pièces. Chercher le mot tout à l'heure, c'était le sound effect. C'était pas énorme, mais là on le voit bien. Il faudra quand même des musiques punchy pour donner envie. Ok. Et le fait de pas avoir les voix en français, c'est un peu chiant. Quoi. Ok, t'as mis les sous-titres, mais si tu mets pas les sous-titres, un peu bof. Là, j'ai du boost. Petite baisse de framerate, là, on l'a vu. Je vois pas trop d'aliasing sur le jeu. Petit peu de sentiment, mais c'est pas. Niveau du foliage, ça a l'air d'aller. Pour un jeu de cartes, hein. Ah merde. On se focalise pas non plus sur. Ah merde. Ouais, non, c'est moi là. On se focalise pas forcément sur les décors dès le début. Parce que du coup, on est là pour jouer. L'effet de vitesse, là, je l'ai pas par rapport à son concurrent. D'ailleurs, il y a Lego 2K que j'ai toujours pas testé, qu'il faut que je teste à l'occasion. Là, il s'enjaille, mais pour pas grand chose. Et du coup, là, je suis de nouveau premier, il n'y a rien derrière quoi. Ah, il y a. Alors, peut-être changer la difficulté pour que ça soit un peu plus punchy, mais là. Si on se met à la hauteur des enfants, c'est bien de tout le temps gagner, mais nous, ce qu'on veut, c'est de la compète. Alors c'est peut-être pas le but de DreamWorks au début. Enfin surtout ceux des développeurs mais. Je sais pas comment a été fait qu'il y ait des charges. Dernier tour, ouais mais je m'emmerde. Allez hop. Et si je les attends. Donc j'ai la map en bas. Ah, je suis assez loin quand même. Hein. Je vais essayer de les attendre un peu. Ok. D'accord, là j'ai lui en sort, je sais pas quoi. Ok d'accord, donc ok j'ai trouvé. Pour les jumps. Comme je te dis je connaissais pas du tout les commandes, je les ai pas regardées. J'ai lancé le jeu, comme j'avais le problème au niveau du son. Alors là j'ai lancé un pur champignon, là je vais plus vite. D'accord. Donc les notes de musique ça sert à ça. Ok je remplis. C'est une sorte de boost. On avait le petit singe qui dansait sur la droite là. Et je crois qu'on a fini. Voilà. Bon pour l'instant c'est pas l'éclate. C'est un peu dommage. J'aurais préféré autre chose.
On se retrouve dans le menu principal et du coup on va quitter un peu ce mode là, je me faisais chier directement, c'est... Il n'y a aucun intérêt que je me fasse chier et que je fasse la vidéo. Donc je vais aller en course libre et on va augmenter un petit peu le level et on va voir un peu ce que ça donne. Vitesse de la course turbo, on a lumière, difficulté de l'IA, modérée, tenace, impitoyable, voilà c'est ce que je veux voir. Nombre de tours 3, objet activé, commentaire de troll Poppy évidemment. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que c'est punchy, est-ce que c'est pas punchy, genre c'est strictement rien. On va pas prendre l'Afrique, tiens, on va prendre Métropole de Los Angeles et on va voir un peu ce que ça donne. Parce que, bah voilà, j'étais pas hypé par le truc et on va changer, on va prendre Tigresse ou on va prendre... Allez, on va prendre Alex, il est fun. Au niveau du kart, d'accord, donc là c'est carrément le camion de l'agence touriste, c'est excellent. Ok, donc voilà. Ça change pas grand chose, on a du turbo de la vitesse, ouais, bon, ok, d'accord. Tenue de route. Ok, on va prendre celui-là. La vitesse pas ouf. On va prendre celui-là, voilà. Ok, allez, c'est parti. Et j'espère que l'IA va être vraiment prenante pour vraiment aimer ce jeu, parce que là, je me suis vraiment fait chier. Déjà, au premier truc, j'avais capté que j'allais me faire chier. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai mal configuré, je sais pas, à voir. Mais on va dire que pour des petits, c'est très très bien. Mais là, si tu veux vraiment quelque chose pour te puncher, là, on l'avait pas du tout. Donc là, j'ai mis tout à fond et je vais voir si j'ai le level ou pas. Est-ce que je vais rater le démarrage? J'en sais rien. Excellent son kart. Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Ok. Donc là, on remplit le truc. Bon, le but, c'est que, évidemment, que je termine pas premier, là. Voilà, baisse de framerate, là. Ok. Attends, là, c'est pour aller plus vite. Là, la course, elle est un peu mal gérée. Dès le début, j'avais une baisse de framerate. C'est vraiment dommage. Voilà, donc on va voir un peu. On lance des trucs à nos ennemis. 7ème position. Là, t'arrives. Hop. Et tu prends un petit boost, évidemment. Oh non! Ok. Donc là, j'ai toujours... Il y a quand même un peu moins de son, là. De notes de musique. Donc ça, c'est bien. Ça permet vraiment le challenge. Là, j'ai loupé, c'est pas grave. Petit bruit qui vont avec. Là, je suis toujours 7ème. Je vois pas trop à quoi ça me sert. Donc je suis passé 4ème. Fort intéressant. Donc là je suis carrément dans le game. Donc c'est pas mal. Ok. Petit bruit de Tarzan. Toujours 3ème. Bon, comme je vous ai dit, le but c'était vraiment pas d'arriver premier. Hein. Attention. Hein. Je l'ai loupé, donc là je vais sortir de la piste, évidemment. Et je passe 4ème, 5ème, intéressant là. Du coup il y a un petit peu de challenge. Voilà. Donc pour s'amuser un petit peu, il faut vraiment mettre le curseur haut. C'est un peu dommage. Et j'ai pas, enfin je suis comme toi, à moins que tu sois un hardcore gamer hein. Mais moi je suis un casual gamer. Voilà. Je suis pas un méga haut niveau sur Mario Kart et tout ça. Donc là j'ai fait un top 10, d'accord. Là c'est bien de pas récupérer les notes de musique comme on veut. Là j'ai une immunité. Et je suis deuxième, ah oui d'accord. Okay, j'avais pas suivi. Là faudra récupérer une note de musique pour aller plus vite. Ok, un petit peu de jump, ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je fais de la merde là. Ok, donc 4ème et merde. C'est pas grave. Ouais, avec un petit peu plus de skill, il y a moyen d'arriver à faire quelque chose de joli. Ok, un petit peu de battle là. Donc peut-être que dans revenant dans le championnat. Ok, bon 4ème. Peut-être qu'en venant dans le championnat est un petit peu plus fun, ça peut le faire. Mais voilà, il n'y a pas...
Il manque quelque chose. Déjà, je trouve que c'est un peu mou. Ça manque de punchy, ça manque de quelque chose. C'est peut-être parce qu'à côté, on a un MK qui est vachement puissant. Et à chaque fois qu'ils nous sortent un truc de carte, à chaque fois, c'est un peu chiant. Il manque le petit fun du truc que seul, pour l'instant, Nintendo arrive à nous faire, quoi. Donc, pourtant, il y a eu du Sonic Kart. Là, il y a les Schtroumpfs à tester. J'ai Lego 2K à tester aussi. On va voir. Voilà, on va essayer une autre course. Donc là, lumière impitoyable, tour 3 activé. Et après, on va se laisser là. J'ai essayé de prendre un autre personnage. Hein, c'est histoire de découvrir ensemble le jeu. Voilà. Bah tiens, on va prendre Fiona pour changer. Et on va voir un peu. Ok, elle dit qu'elle est une princesse. C'est sûr. Ok, donc là, je me blinde carrément. D'accord. Je vais pouvoir équilibrer. Ah, équilibrer. Hop, c'est parti. Donc quatrième, c'est déjà mieux que tout à l'heure où je me faisais carrément chier, où j'avais pratiquement un tour d'avance sur les autres. Voilà, sachant que j'ai pas très très bien joué. Pour revenir à la maniabilité, ça va, hein, ça se joue assez facilement. La prise en main, je connaissais pas le jeu, tac tac, je commence à y arriver. Après, si tu connais MK, tu connais les autres jeux, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans les commentaires, si tu connais un jeu de cartes assez fun, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Fais-moi le faire. J'arrive pas à faire mon départ comme il faut. C'est comme là la musique, tu vois, ça moque de punchy. Bon là, cette route là, hein, voilà, c'est un clone. Tu connais le nom du circuit, mets-le dans le commentaire. Bon, par contre, pas avoir les commentaires en français. Sous-titres. Donc là, je suis toujours 8ème. Est-ce qu'ils vont me donner un boost si je suis trop à la traîne? Ça, c'est à savoir. Parce que là, bon, je suis 7ème. Je suis pas 8ème, donc ils vont pas me donner le boost. What the world? Yeah! Ok, je récupère les notes là. Tac, tac, tac. Pas mal. 7ème. Et je suis pratiquement au cul de l'autre. Ça, je vois pas trop quoi. Je vois pas trop à quoi ça sert. Ok. Une sorte de carapace verte, peut-être. Donc là, j'ai X. Ce qui me permet. Ok, là j'ai pas trop. Ouais, là on a la sensation de vitesse, mais vite fait. Là je spam le bouton X. C'était pas ouf. Okay, donc là j'ai le bouton B. Derrière. Ouais, évidemment, il y a du monde. Donc ça c'est la carapace rouge en gros. Je suis 5ème. Oh bien, il m'a mis un petit punch derrière. Peckham. Plaisir. Allez, prends-toi ça dans tes dents. Et là, évidemment, j'ai pris sur le côté, donc du coup, je suis mort. Ah, l'effet est pas mal. Je vois pas trop d'aliasing. À part tout à l'heure, aussi dans la ville, là, on avait un baisse de framerate, mais dans le reste, ça va. Hein. Donc là, la musique qui s'accélère pour nous dire, ouais, t'es dans le dernier tour, Coco, bouge-toi le fion. Mais tu vois, si je parle pas, bah tu te fais chier en fait. T'as pas envie de le regarder alors qu'un MK, si je parle pas, t'as envie de le regarder quoi. C'est punchy. 5ème. Le petit nom tranquille. Sixième, j'étais 5ème et je suis 6ème, ok. Oups là. Donc ouais, l'IA est vachement mieux en fait. Faut vraiment, pour avoir du level. Là j'ai mis tous les curseurs en haut. Pour vous montrer, hein, parce que sinon tu te serais dit, oh, l'IA il est pourri, y a pas de challenge. Non, non, là il y a quand même du challenge. Après, faut aimer le délire, quoi. Faut vraiment aimer le délire DreamWorks et se mettre dedans. Et c'est pas la sensation de vitesse, ça me trigger un peu. Et là, évidemment, tu vois. Et là, comme je suis arrivé dernier. Donc voilà pour mon test de DreamWorks All-Star Kart Racing. Donc comme d'habitude, je prends le jeu et j'essaye les premières minutes, voir si j'arrive ou que le jeu arrive à me choper.
Et bah là, pour l'instant, c'est un an. Hein. Je me suis bien fait chier. Alors, 36 euros, ce qu'il les vaut, moi personnellement, non. J'attendrai d'occasion qui coûte 15 balles. 15 balles pour le prendre, histoire de si tu veux changer un peu de l'univers de Mario Kart. Au niveau de la maniabilité, j'ai rien à dire. La prise en main, elle est facile. Tu l'as vu, j'ai pris le jeu là directement avec toi. Tac, tac, tac. Je me suis fait au délire. Ce qui manque, c'est vraiment le côté fun, le côté funny du truc, du MK, quoi. Et ça, ils ont du moins à le faire, que ça soit dans Sonic, que ça soit dans les autres. Peut-être que Lego 2K, là, ça va peut-être le faire, hein, j'en sais rien. Au niveau de l'IA, donc, bah, au tout début, j'étais un peu dans les fraises. Ça, faut se l'avouer. Je gagnais assez facilement, là, quand j'ai fait la coupe. Donc, l'IA est répondante. Voilà. Bon, après, j'ai pas un méga skill, tu l'as bien vu. Faut apprendre pas mal de rules et tout ça. Mais c'est bon. Au niveau graphisme... on n'attend pas à avoir du pur graphisme, puisque du coup, on est vraiment dans la course. Toi, t'as tes adversaires, tu dois récupérer des notes de musique et des cubes pour avoir justement quelques power-up qui te permet de lyncher tes ennemis. Mais c'est pas fifou, quoi. Tu le sens bien, t'as bien vu tout à l'heure, j'ai spammé le bouton X, ouais, c'était pas à l'éclat, t'étais pas là. Un petit peu, tu vois, à la MK, où quand tu spams avec un champignon, ouais, t'y vas, quoi. Tu le sens, le truc. Mais Nintendo a le truc, hein. Leur Mario Kart, c'est leur bébé, hein, c'est comme tout le reste. Du coup, ils savent peaufiner, ils ont ça dans le sang au niveau... Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas capable. Donc là, tu vois, là justement, on y est dans l'exemple. Hein. Là, j'ai spamé X. Est-ce que t'as le même effet qu'avec MK? Non, moi, j'ai envie de... Moi, je dis non directement. Tu vois, je suis au deuxième tour, je l'ai spamé. Bon, voilà, je suis sixième. T'as pas cet effet-là. Donc ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est vraiment dommage. Il manque pas grand-chose pour le faire bien. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais juste bien. C'est-à-dire, ah, j'ai Mario Kart, mais j'ai aussi DreamWorks All-Star, donc tu peux t'éclater. Après, tu peux y jouer en ligne ou avec tes potes. Est-ce que tu auras l'éclate? Est-ce que tu t'éclates à regarder la vidéo? Voilà, tu te poses la question, je pense que tu auras la réponse. Voilà, si tu as le choix entre un MK ou même un MK Mario Kart double dash ou ça, bah moi, la question, elle a vite répondu, en fait, j'ai envie de te dire. Hein. Je vais retourner sur Mario Kart double dash, même si c'est pas le préféré des joueurs. Beaucoup aiment bien Mario Kart, oui. Voilà. À voir un peu ce que ça va donner au niveau des schtroumpfs cartes là, et voir ce que donne Lego 2K. Donc si toi tu as déjà joué à Lego 2K et tout ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à changer. Ça m'intéresse, tous les avis m'intéressent de toute façon pour pouvoir échanger. Moi personnellement, non, je suis pas. Il manque le petit truc. Voilà, il manque le petit truc. Après au niveau de la langue aussi, bon nous on est français, on aime bien avoir les langues en français et tout ça. Donc là ils ont pas pris le temps non plus de tout mettre en français, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un avis mitigé. Trop cher pour 36 euros, il les vaut pas réellement. À 15 balles, pourquoi pas, en bonne alternative. Sinon bah tu vas d'occasion et tu retournes sur un Mario Kart Wii, un Mario Kart double dash, un Mario Kart 8, voilà, et tu t'éclates avec, quoi, tout simplement, et tu te prends pas la tête. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut.